Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crézip et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT 14. Alors cette fois-ci on va pas partir sur une série la balle au centre, on va faire autre chose. Tout simplement on va jouer la coupe qui est justement mise à disposition en ce moment même. C'est la Chairman Cup. La Chairman Cup. Parce qu'il n'y a qu'une coupe, donc on met pas de S. Donc du coup, c'est assez strict, on va dire, comme compétition pour y rentrer. Il faut avoir, je crois, 90 de collectif. Bon, ça va. Mais ensuite, il faut, alors pas plus, entre les remplaçants et le terrain, il faut pas plus de 3 fois la même nationalité et pas plus de 3 fois le même championnat. D'où le fait que j'ai argenté mon banc. Oui, alors certains bronzent le banc, moi je l'ai argenté cette fois-ci. Tout simplement parce que, bah voilà, j'ai commencé à mettre des... À mettre, qui c'est que j'avais commencé à mettre, je sais plus, mais enfin bref, ça mettait un petit peu le bazar parce que j'avais mis un Falcao, du coup ça allait pas avec, comme il y avait déjà 3 fois 3 des joueurs du PSG, donc 3 joueurs de Ligue 1, ça allait pas. Bon bref, voilà l'équipe que j'ai construite. Alors le seul petit bémol, c'est Benatia qui a que 8 de collectif, après il y en a 2 autres à 9, mais 3 autres à 9, 4 autres à 9. Mais bon, c'est pas bien grave, on arrive à 100 de collectif, donc écoutez, je pense que je vais vous faire ça en résumé. Je vais pas mettre les 4 matchs d'un coup par contre, parce que je pense que ça va être un petit peu trop long. Je vais faire en 2 fois, donc on va jouer, si j'y arrive, hein, on va jouer la 8ème de finale et les quarts de finale dans cette première vidéo. Et si j'arrive à passer les quarts de finale, même si j'arrive déjà à passer les 8ème, ce serait déjà bien, on fera d'autres, un autre épisode où on sera en demi-finale et en finale, pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, on va lancer le match. Donc oui, j'ai pas fait rentrer dans la compétition parce que j'avais déjà fait des tests justement pour pouvoir voir si je correspondais bien aux critères, si je pouvais justement rentrer. Donc il y a quelques joueurs que j'ai pas testé encore sur ce jeu, notamment David Luiz. David Luiz, enfin si, c'est vrai que je l'ai... Moi, ah, si, j'avais dit n'importe quoi, je l'ai un petit peu utilisé. Le seul problème, c'est que je l'ai pas gardé énormément de temps. J'ai dû le garder 2 ou 3 matchs et il m'a saoulé. Donc du coup, ouais, c'est vrai que je l'ai pas tellement utilisé. Ashley Cole, c'est pareil. Et puis devant, Mandzukic, Mandzukic c'est la, c'est on va dire la grosse découverte, étant donné que c'est la première fois que je vais l'utiliser. Alors par contre, on tombe contre une équipe au 92 de général, une grosse défense. Alors, je pense qu'il a tout misé sur la défense, parce qu'après, ouais, après ça pose problème devant. Hein. Devant, c'est un petit peu problématique. On va voir ce que ça va donner. Alors il y a de la Liga BBVA, il y a de la BPL et il y a de la Bundesliga, donc les 3 on va dire gros championnats. Donc écoutez, on va voir ça et puis bah voilà, on se retrouve pour les meilleures actions du match, comme j'ai dit, pour un petit résumé. Ah, par contre il faut du monde. Allez sur le côté là-haut. Oh là, Maicon. Oh la frappe de merde. Quelle frappe. Ah, Maicon, il a donné tout ce qu'il avait, hein. Là-dessus, il s'est peut-être retrouvé un petit peu surpris. Allez, le corner de Schweinsteiger, la tête de Mandzukic. Alors, Mandzukic, ouais, c'est vrai que c'est un gros joueur de tête. Ça, je n'ai pas besoin de l'avoir testé pour le savoir. Allez, on sort du dribble, la grosse frappe. Ah ouais, mais si Zlatan, tu me passes devant, ça va pas le faire. Oh là. Allez, Mandzukic, la frappe. Oh, Neuer. J'allais redire Neuer. Neuer qui va tout me sortir. Je le sens. Je le sens. Allez, la tête de Mandzukic. Et voilà, cette fois-ci c'est au fond. Alors, je l'ai dit que Mandzukic est un gros joueur de tête. Bah justement, il le démontre à 27ème minute sur un corner. Déjà le corner d'avant, je crois que c'est lui qui a mis la tête. Et cette fois-ci, regardez, corner au premier poteau. Et boum, un gros coup de boule. Et Neuer qui vient encaisser son premier but du match. 1-0, c'est triste hein, pour le moment. Allez, Royce, la frappe du droit. Et encore Neuer qui vient à la parade. Allez, peut-être encore sur corner. Il n'y a que comme ça qu'on a réussi à le faire craquer, le Neuer. Maintenant que j'ai prononcé le nom, hein, je le prononce à toutes les sauces. Allez, la tête de Benatia. Et non. Alors, si tu... Oula. Allez. Allez. Oh, bon Dieu. Bon, bah écoutez, hein. Pour le moment, j'ai envie de dire, on gagne 1-0. On a toutes les occasions qu'on veut. Mais voilà, on a du mal à mettre les ballons au fond. C'est vrai que son gardien, il fait quand même pas mal d'arrêts hein, pour le moment. Je sais pas combien il en est.
Mais en tout cas, il commence déjà à me saouler. Alors pourquoi ça lag, j'en sais rien. Mais en tout cas, on se retrouve pour les meilleures actions du match. Allez, on fait les efforts là. Allez, on le laisse pas centrer. C'est bien, un bon coup d'épaule. Oh là, par contre, la relance, Ashley Cole derrière. Oh, mais c'est quoi ces lags? Oh là 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 là. Oh là 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 là, j'arrive pas à me relancer. Faut que je me réhabitue un petit peu au 4-4-2, étant donné que c'est une compo que j'utilise plus beaucoup. Ah non, 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 Petrosec là. Non, 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 je suis pas d'accord. La Petrosec, je ne suis pas d'accord. C'est une frappe d'un enfant de 4 ans. T'as pas le droit de te prendre le but là, s'il te plaît. Regarde-moi ça. Bah, la frappe, j'ai jamais vu une frappe aussi. C'est moi qui suis pris le but le plus lent du. La frappe la plus lente de FIFA là. Allez, allez, Mandzukic. Allez, Mandzukic. Allez, Mandzukic. Allez, Mandzukic. Oh, Neuer! Ah, il nous fait de ses arrêts. Ah, il est chaud. Ah, il est chaud. Regardez, encore une fois. Sur son pied gauche. Ah, ouais, l'arrêt réflexe. Allez, Schweinsteiger. La tête d'Ibra. Et encore Neuer. Ah, mais je me fais bouger, quoi. Matsudi, il se fait bouger par un joueur que je ne connais même pas. Allez! Allez, Mandzukic. Cette fois-ci. Boum! Ah mais Neuer quoi, sérieux! Ah ça me... Je suis même pas énervé, je suis frustré là. Allez, la tête! Mandzukic, Neuer! On change pas une équipe qui gagne. Prenez-moi ce ballon et arrêtez de vous rentrer dedans. Allez! Ah oh, mais non, mais non, mais non, mais non! Zamora par amour du goût, viens là. Allez, Maicon, tu me relances ça bien. S'il te plaît, bien. Allez, Zlatan, tout droit. Allez, Zlatan. Allez, tu me le bouges, hein. Tu me le bouges. Et tu frappes. Et il y a faute, là. Ah bon? J'allais dire. Ah non, parce que là, 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 il y a tacle par derrière. Ah, tu me mets un rouge, hein, Sergio Ramos. Le rouge. Voilà. Je suis quand même obligé de marquer sur corner et sur penalty. Oh la vache. Obligé de marquer sur corner et sur penalty pour gagner contre lui. Ah, puis mon Zlatan, il est crevé. Allez, en haut à droite, s'il te plaît. Merci. Voilà, on va lui faire un petit calma. Il m'en a fait un, je lui refais. Et on marque à la 90e. Mais mon Dieu, que ce fut dur. Je vais t'enlever le penalty, voilà, parce que c'est toujours rageant de se prendre un penalty à la 90e. Et voilà, bon. Premier match dans la grosse, grosse, grosse souffrance. Mais alors, j'ai jamais vu ça. Enfin, si, j'ai déjà vu ça. Mais, waouh. Waouh, waouh, que ce fut dur. Hein, Mandzukic, homme du match. Il a fait quoi? Un but et une... Non, un but tout court. C'est bah, l'homme du match, c'est son... Ah ouais, bah ouais, 17 arrêts. 17 arrêts. Voilà, bon. Le mien, il en a fait quoi? Il en a fait 2. Bon, il a pas beaucoup frappé, mais... Il a fait 2 arrêts. 2 arrêts. Oui, bref. Alors, là, qu'on m'explique... Qu'on m'explique. Comment peut-il marquer? Bon, certes, il y a eu un bug parce que il a quand même fait une frappe cadrée. Hein. Celle du but, c'était une frappe, je pense, ou une passe, je sais pas. En tout cas, voilà, hein, on a gagné le premier match. C'était dur, mais on va se retrouver directement pour le deuxième avec, avec l'équipe de notre adversaire. Ah voilà, enfin, 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 nous avons trouvé un adversaire. Ça fait plus de 5 minutes que je recherchais une personne... En quart de finale, enfin on tombe sur quelqu'un. Alors, 83 de note générale, 98 de collectif, ça s'annonce du lourd. Ouais, oh oui, oh oui, oh oui. Alors par contre, il y a uniquement son... Je pense son Cellini qui a pas, qui doit pas avoir... qui doit pas avoir ses 9 de collectif, je sais pas combien il pourra avoir. Mais il y a du Willian, il y a du David Luiz, il y a du Touré. Il y a du encore une fois du Ramos, il va encore une fois nous exploser notre Zlatan. Il y a du Di Maria, il y a du... devant, j'ai vu Aubameyang, j'ai vu... qui c'est? Je sais plus. Enfin, bref. Hein, on va voir ce qu'on peut faire. Et on va se retrouver pour les meilleures actions du match. Allez, bah allez, allez, Lucas. Lucas, allez, tu cours. Tu cours. Tu cours. Tu cours, tu t'arrêtes. Allez, tu centres. La tête de Mandzukic, ça fait 1-0. Voilà, on... Oula. On joue un petit peu, hein. Alors Mandzukic, un joueur bon de la tête, j'ai vu qu'il n'y avait que lui au centre. On va pas essayer de faire autre chose.
Donc voilà, un petit but de la tête pour, pour commencer. Alors ça va tenter la KSI direct. Ah non, même pas. J'y ai cru. C'est une petite rusinette de la part de notre adversaire. Allez, Zlatan, il est parti. Zlatan, il est parti. Zlatan, il est parti. Ouh là 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 là. Attention à Gundogan, la frappe. Eh, mais eh, Petrosec, tu vas bouger, oui. Je sais bien qu'il fait froid. Bah justement, il fait froid, tu bouges. Ah non, parce que là, t'es vraiment spectateur sur, sur le coup là. Allez, en haut. Allez, Zlatan. Mince, 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 mince. Ça, c'est bien fait. Allez, 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 on avance un petit peu. Allez, lance-le. Allez, Zlatan. Cette fois-ci, tu me la loupes pas. Allez, voilà, c'est bien. 2-0. Bien joué, David Luiz, j'allais dire. Bien joué, Zlatan. Allez, fais le mime. Et hop. Tu veux passer au travers Je sais même plus c'est qui son gardien. Bref, c'est pas Marchetti. Marchetti. Voilà, tout en puissance, Zlatan qui vient mettre le 2-0. Allez, on est bien parti. Encore une fois, un but de Mandzukic. Et là, il a failli nous placer la KSI, ce petit vilain. Oh, le petit joueur. Oh, il est pas content en plus. Il commence à me tacler. Vas-y, tac, j'adore quand on me tacle. Allez, tout en haut là-haut, Mandzukic. Eh, monsieur l'arbitre. Rouge. C'est dommage. J'aurais bien aimé en deux matchs, deux fois Ramos qui se prend un rouge. Ce serait drôle. Allez. Oh non, Zlatan, faut pas me louper ça. Oh. Allez, le long. Comme Alain. Ouais, on obtient un corner. Allez, le corner, Schweinsteiger, tête de Mandzukic, on connaît. Et arrêt de Marchetti. Allez, deuxième corner, on va tirer un peu plus fort cette fois-ci. Il y a qui? Je sais pas qui c'est qui est au deuxième, mais c'est pas grave, c'est Zlatan. Benatia. Ah ouais, mais il m'empêche d'avancer. Allez, c'est passé. Lucas, tu me la croises. Elle est parfaite. Bien joué, Lucas. Ça fait combien? 3-0. Ça fait 3-0. On en met un petit juste au retour de la au retour des vestiaires. Et là, 3-0, on va commencer à pouvoir se sentir vraiment beaucoup mieux. Hors jeu, non? Ah non, il est pas hors jeu. Allez, Lucas, la frappe du goal, du droit, pardon. Et encore une fois, Marchetti à la parade. Allez, Bastian. Allez, Zlatan. Oh, Marchetti. Oh la vache, il cavale. Ah, il cavale, ça y est, il me place quelques gestes techniques. Oh, c'est bien joué. Oh, alors là, je pose la main et j'applaudis. Ok, c'était nul. Non. Franchement, belle action. Il m'a bien eu avec son dribble, son geste technique. Et là derrière, mes trois défenseurs qui vont sur Lewandowski, je crois. Ah bah non, c'était sur peut-être Aubameyang alors. Et puis voilà, bah derrière. Derrière, je me prends le but, c'est tout à fait logique hein, sur ce coup-là. Allez, tu me la lâches à Zlatan. Allez, Zlatan, tu avances. Ah, tu avances. Oh là 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 là. Alors, moi, j'ai. Là, c'était du tout droit. Là, c'était du tout droit. J'avoue, c'était du tout droit. Mais bon, il a un petit peu tournicotis, tournicoton autour de moi. Regardez, il fait ah, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et au final, on s'arrête, on fait un petit crochet. Et derrière, on ouvre son pied. Et avec Zlatan, c'est au fond. Voilà, 4-1. On termine le match tambour battant. Allez, écoutez, fin du match, 4-1, on a gagné. Doublé de Ibrahimovic, un but de Lucas et un but de Mandzukic. De son côté, c'est son Lewandowski qui a marqué. Donc bah écoutez, on s'en sort bien pour le moment dans cette compétition. Arrêt. Ah non, arrêt 5. Et son Marchetti, ouais, 12 arrêts quand même. Au niveau des stats, je pense qu'on est devant. Ouais, on a quand même beaucoup plus frappé que lui. Donc voilà, bah écoutez. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Hein. Pour le moment, on est arrivé jusqu'en demi-finale. Donc voilà, vous aurez le résumé de ces deux premiers matchs. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo avec le résumé des deux derniers matchs. Ou alors du dernier match. On verra hein, ce que le sort nous réserve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, on se retrouve à la prochaine pour la suite de cette compétition. Ciao tout le monde.